Plus tôt dans la journée, Groupe Faneuf a remporté l'Olivier producteur de spectacle de l'année. La salle Odyssée a pour sa part reçu le prix diffuseur de spectacle de l'année. Marc Brunet s'est vu remettre l'Olivier texte de l'année, capsule ou sketch télé, web humoristique. Pour Caresse du bois, appropriation culturelle, Thierry de l'émission Like Moi. Et finalement, Mehdi Boussaïdan et Gabriel Poirier-Galarneau sont repartis avec l'Olivier metteur en scène de l'année pour Demain de Mehdi Boussaïdan. Présentatrices sont excellentes. D'ailleurs, la première a gagné un Gémeaux et un Olivier pour son personnage de Carole et son prochain. La seconde est en tournée depuis un an avec son One Woman Show Brut. Mesdames et messieurs, Sylvie Tourigny, Mélanie Gallimard! Sylvie et moi, ça fait 10 ans qu'on est humoristes et probablement qu'il y a encore des gens à la maison qui nous regardent en se disant « ça fait 10 ans, mais c'est qui, eux autres? » Ce qui fait que nous, on est deux filles qui trouvent ça vraiment long avant d'être invitées à Tout le monde en parle. Mais après 10 ans dans le milieu, on se rend compte à quel point l'industrie de l'humour a beaucoup évolué. Oh oui, ça évolue, là! Ah oui, les choses ont changé! Oh oui, ça change, ça change, ça se transforme, ça évolue, là! Non, non, mais ça arrive plus aujourd'hui que les filles, on se fasse présenter tout croche dans une soirée d'humour, là! Tu sais, parce qu'à une certaine époque, c'était pas facile! Non, là, ça arrive plus que l'animateur nous présente en disant « La prochaine humoriste est rousse, elle doit être cochonne! » Ou la prochaine, elle a pas la langue dans sa poche, mais elle l'a déjà mise sur la mienne. Alors, tu savais, il était juste trois filles en humour. À ça, on est rendu une vingtaine. Mais oui, tu sais, on est rendu une vingtaine. On est une vingtaine à se partager l'espèce de commentaire un peu malhabile de monsieur, madame, tout le monde qui vient nous voir après un show en disant « C'est que moi, des filles en humour, trouve pas ça drôle. » Mais toi, toi, t'es drôle. Ah ouais, hein? Toi t'es drôle, 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 toi t'es fucking drôle! Et on se fait de moins en moins dire que pour une fille, on a des couilles et une drive de gars, hein? C'est quoi ce by the way, drive de gars? Drive de gars? Ça, c'est un gars qui émet sa blonde, là, mais en prenant une voix de corps. Non, mais pour vrai, des fois, les gars, l'humour, c'est un peu un all you can con, là, hein? Oui. Oui, vous parlez de l'accouchement de votre blonde con, d'aller en camping avec votre blonde con, d'aller au Ikea avec votre blonde con, d'amener la conne aux pommes. Ah, ouais, mais c'est qui l'a choisi, cette conne-là? On est rendu une vingtaine de filles en humour. Ça n'a pas de sens, des fois, il n'y a plus de place dans les loges tellement il y a de sacoche. C'est même rendu que nos menstruations sont synchronisées! écoute, ça change. Là, aujourd'hui, les filles, on peut être aussi drôles que les gars. Ah oui, même qu'on peut faire les mêmes jokes qu'eux autres pour être drôles. Ah, tu sais, le nombre de fois qu'on a vu des humoristes gars taquiner l'homosexualité sur scène, hein, tu sais, Laurent Paquin, puis François Morancy, Maxime Martin, puis Louis-José Hood, ça se frotte, puis ça se tripote, parce que c'est drôle, ça. À ce temps, nous autres aussi, on peut check ça. On fait le ciseau. Ah, hein? Ça, c'est drôle, ça. Des hétéros font le ciseau, c'est drôle, ça. Hey, puis combien de fois qu'on a broyé de rire en voyant Normand Brathwaite animer un gala en bobette parce que c'est drôle, ça! À ce temps, nous autres aussi, on peut! Check ça! Je t'en fous! Hey, t'en fous! C'est drôle! Hey, t'en fous!
Alors, dans la catégorie numéro 1 de l'année, les nommés sont... Ex-vétérinaire, le cheval de François Bellefeuille, écrit par Olivier Thivierge et François Bellefeuille. Mais je suis un ancien vétérinaire. Puis je le sais, c'est pas médecin. Mais en théorie, s'il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque ici ce soir, je peux l'aider. Je peux aller chez lui puis m'occuper de ses chats. Martin et Mawambo, de Fabien Cloutier. Écrit par Luc Boucher, Julien Corriveau et Fabien Cloutier. Il passe devant la secrétaire, il sourit. Il y a plus de dents là-dedans que dans tout un petit village de la Gaspésie. Mes ex, de Rosalie Vaillancourt. Écrit par Charles-Alexandre Durand et Rosalie Vaillancourt. Je l'ai laissé parce qu'il mangeait pas de porc. What? J'aime bien trop le bacon, moi. C'est quoi qu'on aurait mangé au brunch avec nos enfants, genre du jambon? Le numéro d'ouverture des demi de relais dans leur carte blanche. Écrit par Sébastien Dubé, Vincent Léonard, Pierre Fiola et Félix Turcotte. Ben d'ailleurs, j'ai une méchante surprise pour vous autres à soir. Il est ici, en police! Qui ça? Pas chez Hubert? Ah non, son scooter. Oh, moins dangereux. Numéro d'ouverture Gala 2018 de Laurent Paquin. Écrit par Sylvain Larocque, Simon Delille, Mélanie Couture et Laurent Paquin. Ça serait-tu merveilleux, ça? Injecter de l'intelligence. T'imagines, le beau-frère qui fait des commentaires racistes puis misogynes, tu y rentres une clé USB dans le cul. Calme-toi, Germain, je te fais une mise à jour. Mon ami est remis à... Ben ouais, pas si difficile que ça, ouais. Non, que la mort. Le pouvoir de la fourche. Voilà. Alors, François Bellefeuille et Olivier Thivierge. J'ai pas massobé un cheval pour rien! Ouais, ça a l'air bizarre, c'était pas vu le numéro, mais c'est une anecdote qui parle de ça un peu dans le fond. C'est que j'ai fait ça en médecine vétérinaire. J'ai fait un stage en reproduction animale et pour tester sa fertilité. J'ai fait ça, puis j'en ai parlé. Puis en passant, si ça te choque là, de savoir que j'ai fait ça, ben c'est beau, continue à vivre dans ton monde où les animaux apparaissent par magie. Là. Mais tu sauras qu'en dessous de ton prince charmant, il y a un cheval. Ce cheval-là, il y a un père, puis c'est moi qui l'ai crossé. Ben, je voudrais parler de mon partenaire là-dedans, Sonny Boy, le cheval avec qui j'ai fait ça. De le remercier, hein, dans le fond. Non, mais sans lui, le numéro n'aurait jamais pu exister. Mais dans le fond, je pense que, Olivier, merci pour ton aide, mais je vais te le laisser, parce que je suis pas sûr que je le veux, celui-là. Ça va me rappeler à chaque fois que je le vois, que ce que j'avais dans les mains en 98. Fait que... Hey, merci. Écoutez mon balado 3.7 Planète. Sérieusement, j'ai vraiment eu du fun à faire ça, fait que je vais me faire une pub, l'autopromo. Merci tout le monde. Bon gala. C'est votre dernière chance de voter pour l'Olivier de l'année. Choisissez entre Alexandre Barrette, Mehdi Boussaïdan, Louis-José Hood, Mike Ward, Catherine Levac, Mariana Mazza et Julien Lacroix. Après la pause, le deux tiers de la soirée est encore jeune.